ligne de départ. Yeah.
50 cordes, sur droite 62 cordes, 30 mètres, droite 110, sur gauche 120 cordes, rail, gravier, 120 mètres, gauche 160 et 110 mètres, gauche 72 cordes, 180 mètres, gauche 50, ah, ça coupe. Ça coupe ? Regarde, ouais. Gauche 50. 30 mètres. Gauche 112. Sur droite 102. Pour gauche 140. Et droite 130 en frein. Gauche 140 et droite 130 en frein. Sur gauche 92. 30 mètres. Droite 132. 90 mètres. Droite 120 cordes. 90 mètres, gauche 160 en frein, 60 mètres, attention, gauche 43, surprenant rouge, gauche 43, 60 mètres, droite 160, 50 mètres, gauche 160 et 100 mètres, attention, droite 60 et frein, 30 mètres, chicane, entrée droite, droite chicane, entrée droite, dans droite 60 large, droite 60 large, 80 mètres, gauche 110, droite 110, pardon, droite 110, 30 mètres, droite 150, milieu, referme 122 tard. Président,
Peter Clerc vainqueur avec Dieter de Nice sur leur Porsche 911 SC. Deuxième Eric de France et Gaël Ringot sur leur Opel Kadett GTE. Troisième Christian Proville et Benjamin de Poigny. Bravo à tout le monde. Il s'agit donc là du classement des véhicules des groupes 1, 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire les véhicules... Bravo, et je vous rappelle donc ce magnifique tiercé, Paul Lietard, Christophe De Jong, premier avec leur Opel Manta 400 de 1984, deuxième Patrick Spinbin et Gert Casier avec leur BMW M3 de 1988, et le troisième, le français, heureusement, qui est là, eh bien, Thomas Caron et Andrea Lamar sur leur petite Super 5 GT Turbo de 1986. Je redis donc Stéphane Lefebvre avec Thomas Dubois, Samuel Salonne avec Johan Lefebvre et Laurent Bayard avec David Leclerc, c'est ça, hein, je me trompe pas, c'est pas ça. Voilà. Olivier Lemaire. Olivier Lemaire. Bon, oui, oui, ben oui, j'ai un petit peu de mal, pardonnez-moi. Ah oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, c'est vrai. Faut que j'en vienne à me souvenir. Bravo à tous. Bon, vous l'imaginez, hein, bon, il y avait Stéphane Lefebvre, c'est sûr, mais aujourd'hui, bah, je crois quand même que Laurent Bayard, depuis quelques années, tu es la référence, on peut le dire. Voilà. Aujourd'hui, tu finis troisième, ça veut dire que Sam a dû progresser, comme on a dit, hein, et puis voilà, et puis vous n'êtes pas si loin aussi de... Voilà, de celui que l'on admire tous encore et qui, on l'espère, retrouvera les moyens de rouler à un bon niveau. En tout cas, on ne te souhaite que cela, Stéphane. Voilà, bravo à tous! Voilà. Une très très belle édition. Bon, je peux te dire quelques mots sur cette première victoire en régionale. C'est court, j'avais jamais fait, mais ça fait du bien d'avoir roulé. Je remercie Vincent encore une fois pour m'avoir permis de rouler avec sa voiture. Ça fait 6 mois qu'on n'avait pas fait le moindre mètre, donc même si c'est fait un rallye court, ça fait toujours du bien de reprendre du service. Et j'espère quand même pouvoir rouler avant la fin de l'année, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ok. Là, aujourd'hui, ça a été une journée sans histoire ? Bah, même le tout le rallye, hein, il ne s'est pas passé grand-chose. On a géré le sujet de A à Z. Ce matin, on a bien roulé. Cet après-midi, on a mis une petite couche dans la première parce qu'elle est vraiment sympathique et c'est toujours une belle spéciale à faire, la spéciale de Gonem. Donc, on a mis du rythme et dans la dernière, qui était vachement dégradée, c'était plus sur un rythme de sécurité parce que les cailloux s'arrachaient, le noir commençait à ressortir et c'était devenu glissant. Donc non, on a vraiment géré le sujet ce week-end et voilà, ça fait bien. C'était important pour toi de gagner ici aujourd'hui ? Important, non, l'année passée on n'a pas gagné et pourtant on s'est limite plus amusé que cette année. L'année passée on a dû cravacher pour remonter 2 minutes. Là c'était juste se faire plaisir, reprendre des sensations et bah, essayer de ne pas les oublier avant le prochain. Ok, merci. Une deuxième place à Béthune, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Bah, c'est le rallye de ma jeunesse.
À l'époque, ma mère habite dans la spéciale du Blanc Sabot. Et je voyais passer Develet, tous les Michel Ratz, tout ça. C'est vraiment c'est un rêve de gosse. J'aimerais bien gagner un jour. Si vraiment un rallye, j'aimerais bien gagner, c'est celui-là. Après, j'avais déjà fait 3 ici en 2010, je crois. On était en bagarre avec Vincent Christian, et puis Amourette qui fait 2 et moi je fais 3. Mais ouais, c'est toujours un rallye qui me tient à cœur et puis on est du coin donc c'est bien aussi. Et puis tu termines devant Laurent. Ouais, mais ça c'est pas bien grave, c'est amical quoi. C'est... Mais c'est là la première fois ou tu l'as déjà devancé dans d'autres rallyes? Ouais, on a déjà fait des temps devant tout ça. Après aujourd'hui, ma voiture que j'ai aujourd'hui, c'est une voiture qui me convient très bien. Donc quand on est à l'aise, après. Je sais rouler, enfin sans prétention, je sais rouler, après, mais quand on n'est pas en confiance dans une voiture, on peut pas. Je vais pas aller me tuer pour du rallye, quoi. Mais là, on était bien dans l'auto. Pilote, copilote, tout, ça s'est bien passé. Le prochain rallye, c'est quand? Alors, normalement, on roule c'est Centurion, ouais. Ouais, Centurion. Après, normalement, on devrait faire un déplacement, un coup, rouler à La Rochelle. Et puis après on ferait Irène, et puis après bon, on verra bien, c'est bien à mon avis, après Irène la saison sera terminée. Hein. Pas envie d'aller à Ypres? En spectateur. Alors aller voir en spectateur, oui. Ouais. Donc on a attaqué super fort d'Angoulême, on fait le deuxième temps, on remonte à 4 ou 6 dixièmes de Sam. Et puis après dans mon Berlanchon, c'était fort sale et tout. Je pense qu'on... On se connaît, on est vraiment proches et tout, on en a discuté avant de prendre le départ, on était tellement contents d'être tous les deux sur le podium, tous les deux on s'est dit allez on roule comme on sait mais on va pas aller s'entretuer puis sortir comme des cons. Donc on a roulé sur un bon rythme, aussi bien lui que moi, et puis il était plus vite que moi donc. Non mais je suis content d'être sur le podium. C'est un podium 100% béthunois. Est-ce que ça a une signification pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, qu'il y ait trois pilotes de Béthune aux trois premières places? Bah c'est que c'est les plus forts. Hein. Ouais. Non. On est tous les trois, je dois avoir 10 ans avec Sam, Sam il doit avoir encore plus avec Stéphane. On est tous les trois des jeunes qui avons grandi sur le bord des spéciales de Béthune. Et c'est vraiment c'est notre rallye, quoi. C'est un rallye qui nous tient à cœur. Donc on essaye de donner notre mieux sur ce rallye. Ouais. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ça va? Bon Yves, comment ça s'est passé? Il y avait un gros plateau, ce qui fait tu te retrouves un peu plus loin que d'habitude. Ouais, je vieillis, hein, je pense, il y a quelque chose. Non, mais pour parler sérieusement, non, c'est un truc de fou maintenant. Il y a 15 voitures, les temps se jouent toujours à 1-2 secondes, 3 secondes, enfin c'est des écarts minimes, on n'a vraiment pas le droit à la petite erreur. C'est ce qu'on a fait ce matin, on a fait deux petites erreurs et ça nous coûte deux places en fait. Et qu'est-ce que t'as fait ce matin? Deux petits freinages ratés, c'est même pas des tout droits, c'est juste une trajectoire trop écartée et puis devoir tirer le frein à main pour pouvoir reprendre la route quoi. Mais ça fait perdre 4-5 secondes et c'est suffisant pour perdre... C'est ça qui est agréable aussi aujourd'hui, honnêtement, c'est que c'est des grosses bagarres et on le voit, hein, ça roule très vite, ça roule de plus en plus vite, les nouveaux qui arrivent avec des R5 roulent de plus en plus vite, je sais pas ce que je vais faire. Ouais. Je sais pas. Prochain rallye, c'est quand? Centurion. Logiquement, on va aller en Centurion, ouais. Ouais. Si. Pas envie d'aller faire un tour à Ypres? Non, je me suis même pas renseigné, en toute honnêteté, je sais même pas si on a le droit de rouler. Je sais pas comment ça fonctionne, mais non, il n'y a rien de prévu. Ypres, surtout là, cette année, en championnat du monde, on joue plus dans la même cour, je crois. En spectateur? Ah oui, certainement, si on a le droit d'aller en Belgique, oui. Bon, alors dis-moi le bilan de ta journée. Positif, hein, vu le plateau, et puis voilà, on savait que ça allait être serré, hein, mais bon, être juste derrière Benoît Vaillant, et derrière, il n'y a plus Stenick, tout ça, donc Wilt. Donc je pense que voilà, le plateau était relevé, ça a été fort serré tout le temps. Après félicitations à Laurent Bayard et puis surtout à Samuel Salon hein, qui a vraiment bien roulé. Alors c'est vrai que c'est un peu les locales du rallye, mais bon il faut quand même accélérer pour faire les temps. Donc c'est bien parce qu'il y avait une belle bagarre, on était 6-7 tous ensemble. Donc voilà, puis que la pouille a bien roulé aussi. Donc nickel, top. Un podium 100% béthunois puisque Lefebvre, Bayard, Salon, ils sont tous les trois d'ici. Ouais voilà c'est ça. Puis j'étais étonné quand même aussi, tu vois, Steph il n'a pas dominé son sujet aujourd'hui, donc on voit que le niveau local augmente.
Donc et on le voit, hein, de toute façon, dernière en fourmi, par rapport à la passée, on était 2 secondes au kill plus vite dans la même spéciale. Donc on voit que le niveau augmente et du coup ben, les liens se resserrent avec les entre guillemets top pilotes. Donc ça c'est bien pour le spectacle, pour les Bétinois, voilà, c'est pas une domination de Steph tout seul devant. Donc je trouve que voilà, pour le public, puis il y avait vraiment beaucoup de monde, les mecs, ils ont dû voir des beaux passages. Johan, comment ça va? Ça va Gilou, ça va. Ça va, ouais. La journée était bonne, en fait t'es le seul à pas être en R5 dans les 15 premiers. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pensais que les Mitsu elles pouvaient encore aller jouer un peu devant, mais là je crois que l'écart est devenu trop important depuis un an et demi. C'est difficile. Et puis on n'a plus non plus la verve qu'on avait encore un moment. Et on s'est bien fait plaisir, c'était bien de rouler avec Tom, j'étais content. Et puis on a eu beaucoup d'émotions à l'arrivée de la dernière. Je pense qu'on va forcément le dédicacer à notre flot d'amour. Voilà, c'est une victoire en groupe pour elle. J'espère qu'elle nous voit du haut. Tu avais déjà roulé avec Tom à tes côtés? Oui, bien sûr. J'ai fait plusieurs rallyes avec Tom et j'aime beaucoup rouler avec Tom parce que, bizarrement, avec le peu d'expérience qu'il est, il m'apprend encore dans les trajectoires, il me pousse, il me calme, il me canalise beaucoup. Et puis il est passionné quoi, il est passionné, donc forcément il voit plus la chose comme nous on la voit quoi. Mais c'est bien, je suis vraiment content de rouler avec lui, vraiment. Vraiment. Bon, après on fait tout en famille, donc quand c'est pas lui, c'est l'autre. Bon, dans 2 mois, il y a Ypres en championnat du monde, tu y seras? Alors on en a parlé avec Martin Forger. On est en train d'en discuter. On est en train d'en discuter pour y aller peut-être avec la Mitsu. Après. Il y a quand même le Cœur de France avec Tom et les Quarts d'Abel, donc la priorité ça reste quand même le championnat de France junior pour Tom, donc moi il faut que j'y sois, donc je sais pas, on va voir avec les budgets, parce qu'apparemment Ferry prend le championnat du monde, ça va coûter un petit peu de sous quand même, mais oui, on en a parlé. Merci Gilou. Bon Vic, qu'est-ce qu'il y a à retenir pour toi de cette journée sur l'île de Béthune? On a enfin réussi à régler la voiture. C'est le poil le plus gros qu'on avait à faire cette voiture. Après, faut prendre la confiance. Donc ça va, c'est un petit test quoi. Il n'y aurait pas eu le tête-à-queue dans le prologue, il y avait quelque chose à faire aujourd'hui? Ouais, peut-être dans les 5 premiers, mais pas... j'aurais pas gagné rallye quoi. Donc, pas le podium non plus, on l'a eu dans les 5, mais... Dans 2 mois, il y a Ypres en championnat du monde, tu y as pensé? Ouais, mais c'est trop cher pour nous ça. Trop cher. Mais bon. J'ai déjà roulé à Ypres, on part au championnat du monde. Une autre fois peut-être. On sera spectateur. Exactement. Okay, merci. Bon Christophe, le bilan de ce week-end, de ce Béthune en régional. Très compliqué. Parce que bon hier, comme je vous ai dit ce matin ou hier. On a loupé notre départ et après on a perdu 14 secondes déjà là. Et puis là on a remonté un peu aujourd'hui, mais là c'était vraiment, vraiment limite là. Et j'ai un réglage à faire sur l'arrière et on peut pas le faire sur place. Donc on va essayer de le faire pour la semaine prochaine, le Lorraine. C'est mais les routes étaient vraiment très 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 sales. C'était un rallye de prise en main en fait, c'était les premiers tours de roue avec la voiture? Ouais, c'est la première fois que je montais dedans, la semaine dernière, j'avais fait 20 km avec pour essayer comme ça. Mais bon, tout seul ça va toujours et après avec les copains, c'est pas la même. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste une bonne voiture, il faut l'ajuster à mes goûts quoi. Okay. Donc rendez-vous dans une semaine au Lorraine? Dans une semaine au Lorraine, ouais. Merci. Bon Bruno, raconte-nous cette journée de bagarre en tête du groupe F2000. Bah écoute, hier on s'est dit on prend le départ, on verra bien après la première spéciale ce que ça a donné. Ça n'a pas été trop mal, j'étais pas très satisfait parce que bon la motricité ça n'allait pas et ce matin on s'est dit bon on fait la première boucle et si on arrive à tenir le cap, on essaye. Et bon on a réussi à aller jusqu'au bout et à atteindre l'objectif qui était du départ de gagner le F2014. T'as pas fait d'erreur, c'est les autres qui en ont fait. Fait aucune erreur. Maintenant, on a géré sur les cailloux, il y avait des pensions très dangereuses. On a préféré perdre un peu de temps et puis récupérer, attaquer, prendre un peu plus de risque sur le macadam très propre. Et bon, on a su gérer, je pense, le rallye comme il faut. Quoi. Ta dernière victoire de groupe remonte à quand? Ça remonte en 2015 avec ma Clio Groupe N. Oui, d'accord.
Ouais. Ça a commencé à faire. Ça a commencé à faire long. Voilà. Prochain rendez-vous, c'est quand? C'est Centurion. Ouais. Merci. Merci. Guermont et Chenin. Hein. Alors, sur l'île de Béthune pour le premier avec la Skoda. Ah bah écoute, ça fait déjà plaisir de revenir à Béthune parce que ça fait finalement, même si je suis GT du coin, ça fait peu de temps, ça fait peu de fois où je me suis retrouvé au départ ici, donc la dernière fois c'est en 2014. Ça fait plaisir déjà d'être sur les routes, peu importe l'auto, puis c'est vrai que sur le gâteau, pouvoir rouler avec cette Skoda, ça, voilà, ça met du piment, c'est une bagnole exceptionnelle quoi. Franchement on a pris un plaisir de fou. Bon après il faut trouver les limites, hein, clairement, mais franchement, c'était vraiment un excellent week-end. Bravo pour les organisateurs d'avoir maintenu l'édition, hein, même en régional, ça nous a permis de rouler, d'avoir un super plateau, donc c'est vraiment, vraiment cool. Et je pense qu'il n'y a jamais eu un aussi beau plateau, d'ailleurs, avec autant de bagarres. Quoi. D'accord. Et toi, le copilotage dans la Skoda, qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est génial. Hein. Après, on avait roulé à l'UBRC, donc ça va vite aussi, mais non, franchement, c'est une auto super. Hein. Franchement, on a pris un pied d'enfer. Compliqué au début, après c'est les premières, mais auto fantastique. Mais pour une première avec la Skoda, c'est très bien, avec plus d'expérience, plus ouais. Ouais, c'est clair, bah, en fait, c'est ce qu'on disait, 10e, c'est vrai qu'on est un peu compétiteur, on se dit, bon, c'est pas le résultat de l'année, quoi. Et après, quand on analyse un peu, bon, j'ai fait les trois premières spéciales en voulant m'habituer plus à la voiture, à rouler au pied gauche et tout, puis en fait... Ouais, je suis un pur amateur, hein, donc je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Je fais un rallye ou deux dans l'année, donc ça valait franchement pas le coup de gâcher le plaisir que j'avais pas finalement à rouler comme ça. Donc on est repassé à quelque chose de plus traditionnel, à rouler normalement. Puis finalement, bah, on voit que dans Gonem, on est dans le coup. On est à 3 secondes, je compte pas Steph, mais on est à 3 secondes du deuxième. Donc finalement, sur 10 km, on est déjà pas loin de pouvoir jouer avec les copains. Quoi. Après, forcément, avec un peu plus de roulage, un peu plus d'expérience, et puis se lâcher un peu plus. Bon, j'espère à un moment pouvoir être avec eux, et puis et pas 10, 15, 20 secondes derrière à la fin, quoi, clairement. Mais toujours la team GSA, la bande de copains ouais. Est arrivée, surtout. Voilà. Ah ouais, c'est ça fait plaisir. Une nouvelle fois, on avait sorti la SMI, on a passé depuis vendredi soir, on est ensemble. Le petit traiteur on a vu hier soir. Voilà, il y a Bouli qui fait la bouffe et tout, donc c'est toujours sympa. Puis on a une équipe d'enfer, on a des partenaires exceptionnels avec TLM, avec Locamat, voilà, des nouveaux qui sont venus s'intégrer, STL, Finassure. Enfin voilà, il faut vraiment remercier, on remercie vraiment tout le monde parce que c'est vrai que même si on a la voiture, c'est pas une fin en soi, on est des amateurs, on va travailler demain et tout. Il faut que, faut leur rendre, dire merci, donc c'est pour ça qu'il y a toujours du monde à notre stand parce que les gens rentrent dans ce système-là. Il y a, je pense, à Carrefour qui nous offre les repas. Enfin, c'est tout ça qui fait qu'on passe un bon week-end. Alors j'espère que par la suite, on saura leur amener un résultat un peu plus sympa. Même si aujourd'hui, je suis pas du tout déçu. Au contraire, hein, on aurait essayé tout de suite pour faire un top 10. C'est clair. Et je vous dis qu'il nous finit finalement un dixième devant nous. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fini deuxième, Christophe Witt, même s'il y a des problèmes, il est finalement pas si loin non plus. Voilà, nous c'est vraiment la première sortie avec la voiture, quoi. Donc c'est du positif, quoi, clairement. Et le programme pour la suite alors? Ouais, le programme, tu sais, nous c'est toujours à l'arrache. Ouais. On va déjà aller boire un coup. tu peux venir. Non, mais on verra. J'avais un petit projet en tête, c'était d'aller rouler au Var, parce que on a un petit truc là-bas maintenant sur place. Et puis c'était vraiment histoire peut-être d'emmener les copains. Alors ce sera pas avec la R5, hein, clairement, parce que ce serait pas raisonnable. Pourquoi pas se faire un délire comme ça de fin de saison? On verra. Franchement, on verra s'il y a une opportunité, si à un moment on se décide. Après, le problème, c'est que les plateaux sont tellement garnis maintenant que si tu t'inscris pas tout de suite, t'es pas sur la liste. Quoi, donc, Non, même pour nous, spectateurs, c'est beau à voir. Ouais, de voir les copains se balader, se bagarrer, c'est beau à voir. Non, mais moi, je suis fan. Hein. Et puis bon, voilà, on s'est retrouvé avec certains. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de rouler avec ce genre d'auto, on est quand même plus souvent dans les Mitsu et tout ça. Donc ça permet de faire des connaissances. Hein. Steph Kustelnik, on a passé la journée ensemble. C'est quelqu'un que je regardais plus jeune dans les formules de promo. Aujourd'hui, on finit juste devant lui. Alors j'ai l'avantage du terrain, il y avait un peu l'avantage de la voiture. Mais finalement, ça fait un beau résultat. Philippe, on se connaissait finalement depuis peu et ça fait des bons moments de passer avec. Et j'oublie pas une chose, hein, enfin, je le dis assez souvent, sans prétention. Il y a beaucoup de mecs qui roulent, je pense, je vois Julien qui rentre avec la 205 et tout ça. Je pense qu'on a beaucoup qui roulent dans les plus petites catégories. S'ils montraient là-dedans, ils seraient devant aussi. Quoi. Donc il ne faut pas se prendre la tête. On est
on a été des privilégiés. Pour résumer, GSA toujours au top. GSA toujours au top, voilà. Faut pas se poser de questions, on est au top. Alors, merci à toi. Merci, bonne continuation. Benoît, avec mes fleurs, mais pourquoi cette fleur? C'est notre garçon qui l'a offert à sa maman pour la féliciter de sa première arrivée. Félicitations. Voilà. Donc, bravo maman. Merci. Alors ce rallye, comment ça s'est passé? Super. On a eu du beau temps tout le week-end. La voiture, c'était un régal. Au fur et à mesure, on a compris un peu comment ça fonctionnait. Pour le premier rallye avec Emma, ça a été nickel. C'était pour fêter notre mariage confiné. Avec Madame Schultz. Avec Madame Schultz. Ça, on peut le dire au bout de 17 ans. Voilà. Et non, un super week-end. Je remercie Fred Roussel parce que franchement, la voiture, il n'y a rien eu à faire. Son équipe, elle est super. Et ouais, c'était un super week-end. D'accord. Et donc la 208, qu'est-ce que tu penses de cette voiture? C'est une voiture bien née? Ouais, je pense. Bah, de toute façon, il n'y a qu'à regarder en championnat de France qu'ils arrivent à faire avec cette auto-là. Quand tu vois les frères Franceschi, comment ils roulent avec ça, c'est top et c'est accessible à des amateurs comme nous parce que finalement ça se prend vite en main. Il y a un retour par rapport, il y a un ressenti qui est sain, qui est bien. En moteur c'est top et non c'est vraiment une super voiture. D'accord. Et Madame Schultz? Oui. Alors, en copilote de son mari, super, comment ça fait? Super, génial, une confiance totale, donc je me suis vraiment amusée, je l'ai senti prendre du plaisir aussi. Donc voilà, génial. Et puis jamais freiné de temps en temps, tu vas trop loin Non, contraire. Au contraire. Franchement. Elle m'a demandé une fois si j'étais en panne, j'ai dit bah non, je suis non, à fond. C'est pas vrai. Non, mais bon, j'ai rien à dire, il l'a pris vite en main. Mais que de la fierté de rouler avec son mari. Ah, mais carrément, totalement. Est-ce non, c'était un super week-end. Donc quand la prochaine? Ça va être compliqué de déloger mon beau-père à chaque rallye, hein, mais bon, il y en aura. Il y en aura un autre. Bon, ben, bravo à vous. Merci à vous. Voilà. À bientôt. À bientôt. Salut.